Nous savons tous que manger bio est bon pour notre santé. Mais les aliments d'origine biologique sont difficiles à trouver au Sénégal. Entre les coûts de certification classique importants et les prix élevés sur le marché, pas facile de franchir le pas. Du producteur à nos assiettes, le chemin est long et semé d'embûches. Moi, mon rêve, c'est que vraiment, qu'on arrive à avoir une production bio qui ne soit pas plus chère, en fait, que la production conventionnelle. Parce que c'est uniquement comme cela qu'on arrivera à promouvoir la consommation de ces produits bio. Nous, en tant que producteurs, il faut qu'on trouve des mécanismes et des moyens qui nous permettent de réduire nos coûts de production pour pouvoir le rendre accessible. Le fait d'avoir plusieurs intermédiaires pose un souci pour nous au niveau de la commercialisation. Et la commercialisation, c'est vraiment un poste que nous voulons qui nous prenne le moins de temps possible. Il faut que nous appelions aussi producteurs. On est les producteurs, ils ont amené mon ex, c'est nous, zone bien nous, mettre nous en relation avec les producteurs, parce que nous, on n'arrive pas à trouver des producteurs dans cette zone. Ce qu'on doit mettre en place au Sénégal, pour que les consommateurs, les vendeurs, les producteurs, tout le monde ait une confiance pour dire que ça c'est du bio, c'est avoir une labellisation. Nous ne consommons bio, mais donc nous le dis, donc dis c'est marché, parce que bio, mon gars tu veux bouillir, mon gars c'est sa santé, gars c'est sa famille. Mais donc, ils utilisent les produits bio. Ils font ce qu'ils ont des marques qui ont des produits bio. Ils ont des produits bio. Ils ont des bio. Ils ont des espaces qui ont des étiquettes qui ont des bio. Des produits de qualité certifiés bio, à des prix accessibles à tous, c'est ce que l'initiative Racine met en place au Sénégal. Racine, c'est un groupe de personnes, des agriculteurs qui sont dans l'agriculture écologique et biologique ou en transition pour offrir aux consommateurs des produits de qualité bons pour leur santé. Pour certifier des produits de qualité, nous avons opté pour un système participatif de garantie et qui passe par un système de contrôle par pair. Pour cela, nous avons deux labels, à savoir le label orange en conversion et le label vert pour les produits déjà biologiques. Tout ceci passe par un système de contrôle de la fourche à la fourchette. Ce réseau des acteurs et des initiatives économiques, écologiques et solidaires a décidé de s'entraider dans le respect de la nature. Et ceci, dans tous les villages et dans toutes les villes du Sénégal. Et pour cela, nous proposons des formations, des visites d'échange, de l'accompagnement et des conseils. Parce que nous sommes convaincus que seuls, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Racine, c'est avant tout l'accessibilité des produits pour tous les consommateurs et pour tous les niveaux de la chaîne de valeur. Et donc, il peut y avoir des producteurs, des vendeurs, des consommateurs et des transporteurs qui vont être dans une chaîne de certification à travers des labels qui sont construits collectivement. Et puis, on va aussi évaluer un peu l'impact social et environnemental de chaque membre qu'il peut avoir à chaque maillon de cette chaîne de valeur. Racine accompagne les différents membres dans l'organisation de marché, dans l'appui à des boutiques, le marketing aussi et la commercialisation d'une manière générale. Racine, c'est comme un oignon, c'est plusieurs couches de la société qui sont liées entre elles et qui s'entraident. Et ensemble, elles donnent du goût et de la saveur à nos plats. Le système participatif de garantie, c'est ce qui permet au label Racine d'être si accessible. Ce sont les membres du réseau qui veillent ensemble à garantir la qualité des produits en respectant leur cahier des charges. De l'agriculteur au consommateur, tout le monde est impliqué. Et ça fait toute la différence. Quand je suis dans le groupe Racine, je suis sur le côté. Permettre-moi d'avoir un contact direct avec les producteurs. En plus, la relation que j'ai, je sais qu'il y a beaucoup de gens parce qu'on fait des rencontres. On fait partie d'un groupe qui nous permet de rencontrer d'autres producteurs, de pouvoir rencontrer ceux qui vont commercialiser ces produits. Un système décentralisé et collaboratif qui engage producteurs, vendeurs et consommateurs et une garantie supplémentaire grâce à un contrôle biochimique indépendant, mais surtout, une certification accessible pour nos agriculteurs. Telle est la promesse du label Racine. Le souci qu'on a avec les labels existants, c'est le coût. Avec Racine, ce système donc participatif, ça nous aide, nous, à notre niveau, à avoir un label qui n'engrange pas de charges supplémentaires. Quand les clients rentrent, dans la boutique, ils voient le logo de Racine. Ça rassure les clients et ça les pousse à acheter mes produits. Il y a des consommateurs qui sont sensibilisés
qui veulent du bio. Une fois qu'on les a sensibilisés, il faut qu'ils puissent y avoir accès. Et qu'ils puissent y avoir accès de manière donc sûre et fiable en fait. Sama souhait moi, tay buma sañon keur go dugg bio nañi lek. Soko démé di outil dang koy am. Keur go dugg tay bo béyé lo jaay pour ñom ñalé ko. C'est une initiative dont on avait besoin. Donc il faut qu'elle se développe et que les racines aillent assez profond pour porter des fruits pour le bien du consommateur bien sûr. Avec Racine, c'est tout un réseau qui s'engage à rendre accessibles des produits agroécologiques de qualité pour tout le Sénégal. Pour vivre mieux, tout en respectant notre environnement. Ensemble, plantons les graines d'une alimentation biologique pour tous et soutenons un label bio de confiance qui grandit sur des racines solides.